Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Beyond Two Souls, un jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps, mais je n'avais pas la possibilité de vous en faire un enregistrement vu que j'avais pas de boîtier d'acquisition. Et maintenant j'en ai un. Je dis un grand merci à Deflagra04 qui m'a prêté son Elgato pour que je puisse enregistrer. Et donc on se retrouve sur Beyond Two Souls. Alors j'aimerais vous demander en début de vidéo. Voilà, si vous regardez la vidéo en entier et que vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, venez me le dire en commentaire en fait, pour que je puisse savoir et continuer en fait. Parce que si vous me dites rien et que ça vous plaît pas, c'est pas la peine que je continue. Donc, c'est très important pour moi. Hein. N'hésitez pas. Franchement, écrivez-moi un petit commentaire, c'est vite fait, c'est rapide et ça aide beaucoup. Donc, on va faire une nouvelle partie. Alors moi j'ai déjà joué le jeu il y a déjà quelques temps, mais je m'en souviens pas tellement, du coup même si je me rappelle de quelques trucs, je vais faire semblant comme si c'était la première fois que je le jouais. Et voilà. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Commencer une nouvelle partie, ça sera la partie précédente. Oui, on s'en fout. Allez, vas-y. Je sais que j'ai pratiquement platiné le jeu. Je vais juste terminer encore une dernière fois le jeu et puis c'est bon. Vous allez trouver les objets. Les objets du Depuis jeu. ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est juste de dingue. Je vous ai trouvée toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous? Un nom, par exemple. Quelqu'un à contacter. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Vous n'êtes pas bavarde, hein? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. C'est une cicatrice. Elle est récente. Faut pas chercher la merde avec. Vous devez les empêcher Comment ça s'appelle d'intervenir. Ils encore? sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement. Vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Imbécile. Psychopathe sur les bords. Hein. Allez, boum, là c'est de la SWAT. Qu'est-ce que tu vas faire? Calme, qu'est-ce qui se passe? La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est? Ils sont à la recherche de la fille. Tais-toi et tu vas ouvrir la porte. Là, il est méfiant maintenant.
Hop, le téléphone qui sonne. Ok, excusez-moi. D'ailleurs, je vais mettre ce silencieux. C'est la merde, hein. Jodie, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, voilà, elle s'appelle Jodie. La fille, elle s'appelle Jodie, les gars. Putain, le bordel. Ouais, elle a foutu la merde. Ok, voilà. Bon, bah ça, c'était, on va dire, le chapitre de présentation. Maintenant, c'est le premier chapitre, et il s'appelle l'expérience. Du coup, ça sera normalement un chapitre par épisode. Si je m'en souviens bien, il y avait des chapitres qui duraient assez longtemps, comme d'autres qui duraient pas trop longtemps. Celui-là, je pense qu'il dure 20 minutes maximum. Ah, te voilà. C'est Jodie quand elle était petite. Aujourd'hui. Bien. J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais je crois que c'est l'heure, princesse. Et elle l'appelait souvent princesse en plus. Ok, voilà, maintenant on commence à voir les premières interactions, donc du coup, on va se lever gentiment. Voilà. On est debout. Oh, on peut ramasser la poupée. Voilà, elle est contente, elle joue avec. Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis, viens. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose dans la chambre? Y'a pas ici. Ah, on dirait pas la peluche Totoro? Si, hein. On dirait Totoro. On va un Totoro. Putain, j'ai chanté ça avec la musique de Mickey, quoi. Truc tout rien à voir. Là. Ah, la guitare. Ah ouais, et là ça utilise aussi le move sensor de la manette. Tema il est en train de m'attendre, moi je suis encore en train de jouer. On va te faire quelque chose sur la maison? Non. Ok. Les livres ici. Ah. Ok, c'est dessin à elle, c'est pas. Ah bah tiens, il y a quelques indices, putain. Si vous regardez bien le dessin en haut, enfin non, plutôt en bas à gauche, genre, c'est deux petits bonhommes plus c'est un fantôme, mais le deuxième bonhomme en fait qui est plus grand, on a l'impression qu'il sort du petit. C'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez compris. Et moi, il éteint la télé. On peut regarder les dessins animés. C'est quoi ces jambes? Allez vite, Jodie. C'est bon, je commence à kiffer. Ah, c'est bon. C'est un beau dessin animé, ça. Je veux bien le voir. Ok. On y va. Nathan va nous attendre. Ouvre la porte. Ah non, pas ça. J'ai plus de monnaie. Nicole. Salut Alan. Ah, il s'appelle Cole. Le gars qui m'appelle princesse, il s'appelle Cole. Salut ma puce. T'es Salut. Trop mignonne aujourd'hui. Merci. Et voilà. Les alentours. Lui, il est sûrement en attente d'un entretien d'embauche. Lui, il travaille concierge. L'autre est en train de glander. On dirait qu'il a. Ouais, c'est bon. Et lui, c'est quoi? C'est un flic? Encore à faire du babysitting, Cole? Très c'est marrant, clair. Phil. Allez, fiche le camp. Ah, est-ce qu'on peut visiter un peu? Allez, viens, je t'attends. Non.
Ah, c'est bon. Allez, viens, je dommage. T'attends. C'est bon, j'ai compris. Ok, go. Salut, Jody. Comment s'est passée ta journée? Ça peut aller. Avec elle, elle veut bien parler, mais pas avec l'autre. Jody la raciste. C'est ce que j'ai à dire, moi. Ok. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Et voilà. Maintenant, t'es une vraie princesse. Ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord? En fait, elle est dans un espèce de labo scientifique qui étudie les... Les je sais pas moi, le cerveau... Jody, est-ce que tu m'entends? Ce qui est psychique. Ouais. Elle veut pas parler avec lui, hein. On y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras? On sait pas, on est modeste. On sait pas. D'accord. Super, alors on y va. Première carte. Ok, et maintenant, on va vraiment commencer le, on va dire, le tutoriel. Donc là, voilà, comme je disais, il y a deux âmes, un Beyond Two Souls, quoi. Deux âmes, il y a Jody, et il y a cette petite entité qu'on contrôle, là, maintenant. Et on sait pas comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle veut. Va vite dans l'autre pièce et montre-moi la carte. Voilà, il s'appelle Aiden. Il s'appelle Aiden. Du coup, on va aller dans l'autre pièce, hop. On va regarder la carte qu'elle a. Ok, c'est l'étoile. Et on revient. Hop. Carte suivante. Carte suivante. Et on ressort. Elle est un peu plus en hauteur. Hop là. Bonjour. Elle a le carré. Carte suivante. Suivante. Et là, tu as les vagues. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, qu'est-ce qu'on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber? Ah, ouais. Ok. On relâche. Et hop, on a fait tomber les cubes. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets? Ouais. Ah, elle a peur. Tiens, à la bouteille d'eau. Ça suffit. La caméra. Je suis désolée, mais j'arrête là. Ok, Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. La porte est fermée. Ok, ok, ok. Merci, non, Kathleen, c'est pas fermé, elle doit juste être bloquée. Donne-nous un instant. Reste calme, Kathleen. Arrête ça immédiatement, je dis. Le test est terminé. Tu dois arrêter, oui. Peut foutre encore ce bordel, mais... Je l'ai dit, mais il écoute pas. Je l'ai dit, mais il écoute. Bon, c'est bon, j'ai arrêté. Jody. C'est fini, Jody. Tout est fini. C'est fini. On a foutu le bordel, hein. Ce sera jamais fini. On a vraiment foutu le bordel, les gars. Ok, bon bah fin du chapitre. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bisous, bisous.